Elle ne peut pas faire des élections. Ou si elle le fait, elle ne peut pas être libre et transparente. C'était clair. Et avant, nous avions même, j'avais parlé de la méthode du triangle et du glissement. Un triangle. Donc c'est vraiment un esprit diabolique. Il y a trois angles. Dans un angle, il y a un triangle, il y a trois angles. Il a miné la CENI qui est totalement sous la botte de la majorité présidentielle. Vous voyez l'arrogance avec laquelle un monsieur qui n'était qu'un formateur, on l'appelle maintenant expert, comment il a miné la CENI. Il dit pas la machine, il n'y a pas de machine à voter, il n'y a pas d'élection. Et vraiment, c'est vraiment importuner toute une nation. Et vous avez un gouvernement. Dernièrement, tout le gouvernement s'est transformé en une plateforme politique. En droit constitutionnel, vous ne verrez jamais, je n'ai dans ma connaissance des constitutionnalistes, je ne connais pas un seul cas où un gouvernement d'une république, au cours d'un conseil des ministres, il se décide de se transformer en plateforme électorale avec comme président l'autorité morale. Gouvernement, deuxième angle. Troisième angle du triangle du glissement, vous avez la Cour constitutionnelle. Tous des corrompus. Dites-moi par où est-ce que vous pouvez passer. Parce que la Cour constitutionnelle qui prend les décisions en dernier ressort. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut une transition qui essaie de clarifier cela. Souvent, on nous pose la question. Donc, c'est une transition qui sera gérée par la société civile. Et nous. Et on nous pose souvent la question, prof, est-ce que vous avez des gens? Quelle insulte! Ici, déjà, il y a trop de gens qui peuvent diriger mieux que les médiocres. Mais lorsque nous avons, personne n'est supérieur au médiocre national, donc ça devient très grave. Prof, est-ce que vous avez des gens? Mais on peut prendre des gens ici, des gens sont compétents pour diriger ces transitions. Et on nous pose souvent la question, mais est-ce que c'est constitutionnel? Je dis toujours aux gens ceci. Our constitution is one of the best in the world. It is even better than the American constitution. Oui. That our constitution is better than any other in the world, and it's even better than the United States. Yes. Yeah. I can't say so. Je peux comparer la constitution des États-Unis avec les quelques articles et les amendements. Je les compare à la constitution congolaise actuelle. Notre constitution est meilleure. I can compare some of the American constitution with the constitution. Je viens de vous dire, mais est-ce que c'est constitutionnel? Qui peut connaître mieux notre constitution que le constitutionnaliste congolais même? Very insulting when people ask you if it's constitutional, like they know our constitution. Le problème, c'est que nous, on a innové, nous avons un article 64. The good news is within our constitution, we have this. Vous allez la trouver dans la constitution révolutionnaire du Bénin, des 90. La constitution, l'article 64. Donne à tout Congolais le droit, mais le devoir, le devoir de s'opposer à tout celui, à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation de la Constitution. Ça n'existe pas dans la Constitution américaine ni française. Nous n'avons même pas la liberté. C'est un devoir à chacun de vous et à chacun de nous. Le devoir de s'opposer. Merci, madame. A must. There is no choice. It is a must.
On doit s'opposer à tout individu qui prend le pouvoir. Et c'est ce que nous faisons. Parce que le pouvoir qui est chez nous, il n'a rien de constitutionnel. Dites-moi, on nomme même la Cour constitutionnelle, on vous dit que toute décision du président doit être contresignée par le Premier ministre. La décision du président n'est pas contresignée par le Premier ministre. Quelle est sa valeur? Il y a même des ordonnances présidentielles qui sont basées sur le faux. Il n'y a pas eu de tirage au sort à la Cour constitutionnelle. Et un décret vous dit que cette nomination intervient sur base du tirage au sort qui n'a jamais eu lieu. Nous sommes aux États-Unis, un état de droit. Quel Américain laisserait passer ça? Quel est cet Américain qui ferait cela? Non, c'est-à-dire on doit nous respecter. C'est-à-dire la démocratie, elle est bonne pour tout le monde. Les élections, par exemple, doivent se tenir aux États-Unis en novembre de la dernière année du mandat du président en exercice. Le 20 janvier qui suit, à midi, qu'il neige ou qu'il pleuve, un nouveau président américain doit être en train de prêter serment. Et vous, vous accepterez aux États-Unis qu'une personne reste 3 ans après ça? Non, mais c'est révoltant de la part de ceux qui veulent nous donner des leçons. Donc, la constitution, la transition, elle est constitutionnelle. C'est notre devoir de nous opposer. Écoutez, nous, vous dites, c'est s'opposer à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou l'exerce en violation de la Constitution. Et nous sommes souverains en vertu de l'article 5. Mais si c'est Nanga et la CENI qui commencent à exercer le pouvoir en violation de la Constitution, la Constitution nous donne le pouvoir de nous opposer à la CENI. Si c'est la Cour constitutionnelle qui prend une décision en violation de la Constitution, nous avons le devoir de nous opposer même à la Cour constitutionnelle. Dites-moi,